Oh la vache. Oh putain. Oula. Oh, j'ai quelque chose dans ma voix là, c'est affreux. Allez. Allez. 1, 2, on lève la voix. Lève la voix. Et lève ta voix. Lève la voix. Non, non. Cette chanson est pas très bien. Allez, plus fort. Allez. Ah putain, les vidéos les matins, ça c'est super dur à faire quand même. Parle plus fort, plus fort. Allez. Putain, déjà que j'ai pas envie de parler plus fort, parce que vous savez pourquoi. Et en plus, parce que j'ai mal à la gorge, donc c'est affreux. Bon. Allez, plus fort. Allez, tu parles normalement, comme si tu faisais. Comme si tu parlais normalement à quelqu'un. Hein, tu. Putain, on va perdre 5 minutes pour ces conneries. Je regarde un peu mon cadrage. Je vais peut-être le bouger un petit peu. Attention, ça risque de bouger. Bon, voilà. Bon, alors salut à tous et à toutes. C'est moi, le Ninja Sarcelles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6. 6, plus fort. 6 de Poképark. Et bien évidemment, quel jour nous sommes aujourd'hui? Hein? Bon, vu que vous serez tous en train de faire la fête, en train de vous goinfrer et en train de prendre du poids, je pense que personne ne regardera cet épisode ce jour-là. Bah, à part si, bon, bah, si vous avez rien d'autre à foutre. Et bah, aujourd'hui nous sommes Noël. Ouais, donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Hein. Mais évidemment, parle plus fort. Plus fort. Allez. Plus fort. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et donc, bah, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux. De beaux sapins. Je sais pas, tout ce que vous voulez. Bon. Donc aussi, je tiens quand même à dire, vous vous doutez bien évidemment que cet épisode n'est pas tourné le jour même de Noël, vu que bah le jour même de Noël, et bah moi aussi je serai en train de me goinfrer. Et je pense que j'essayerai aussi un peu mes cadeaux, hein? Des cadeaux que je vous le dis, des cadeaux que je ferai en let's play. Donc ça vous met déjà la puce à l'oreille pour se dire ah c'est des jeux. Voilà donc pour cet épisode 6. Comme pour tous les deux épisodes, on va se faire tous les amis possibles dans la zone glaciaire et on va commencer tout de suite par les tourbolles. Ah bah on est déjà amis. Je suis pour le retour de la zone glaciaire, ainsi que la zone totale, mais ce n'est qu'une rumeur. Ah merde, je suis pas lui. Bah non, on est déjà amis. Désolé t'avoir fait plein de temps. Ah mais non, pas du tout, c'est moi qui t'ai interrompu. Alors il voilà, y a Colossinge ici. Donc vous me voyez pas sur la caméra parce qu'en fait, vu qu'il y a le sapin de Noël, et ben la table que j'utilise pour filmer et tourner différemment, donc je suis obligé de le mettre à côté de la caméra et pas derrière, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, lui il est pas mis. Colo, je meurs d'envie, je meurs d'envie de défier cette baleine. Toi là en jaune, non, moi non, moi je suis bleu. Si tu veux essayer de te mesurer à moi, il va falloir que tu gagnes 5 défis d'affilée dans la zone glaciaire. Ça peut être de la course, des quiz, ce que tu veux. Tu peux affronter 5 fois la même adversaire, ça m'est égal. Mais tu deviens plus fort en te frottant à plus de gens. Allez, je t'attends. Ah, fais chier. Bon, bah, si tu veux. Salut. Bon, Martic, elle assure. T'as pas le temps de dire miel et pouf, c'est tout dur. Je suis sûr que tu peux même patiner. Ok. Nini, on fait un quiz. Alors. Première question. Attends. Oh, purée. Qu'est-ce qu'Oursaring ne possède pas? Une queue, des ailes, des griffes. Non, des ailes, ouais. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, attends. C'est peut-être débile ce que je me disais dans la tête, mais bon. Qu'est-ce que Kirlia a sur la tête? Des cornes, un serre-tête, un chapeau. C'est pas des cornes, serre-tête, mais un chapeau. Un serre-tête? Des cornes? Des cornes? C'est des cornes, ça, son truc vert sur la tronche là? Oh putain, faut le savoir. Ah oui, aussi, dans cet épisode, vu que c'est Noël, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode le jour de Noël. Est-ce que j'ai une queue? Oui. Donc cet épisode, je le fais le jour de Noël parce que aujourd'hui, nous allons faire notre propre sapin de Noël. C'est pas une blague. Je le ferai à la fin de l'épisode. Les pattes de Givrali sont-elles de la même couleur que le bout de Givrali? Les pattes de Givrali sont de la même couleur, elles sont bleues, que le bout de ses oreilles, son museau, sa queue. Je dirais. C'est pas de son bleu, mais ses oreilles sont. Alors c'est pas son museau.
budget à ses oreilles. Putain, et voilà. Et voilà, j'ai un doute. Eh hey, mais merde, quoi. Je crois que les Pokémon de glace, c'est pas mon truc. Oupsi, même ce qu'on avait qui arrive. Allez, dépêche, on va pas passer l'épisode là-dessus. De quoi sont enduites mes mains? Le miel. Un ours, le miel. De quoi sont faites les défenses de Mamoshu? De glace, de Pikachu. Quoi, mais comment je sais ça, moi? De glace? Pokémon glace. Dernière question. Qui se trouve au pied de l'arbre gelé dans la zone glaciaire? Ah bah c'est ça, en fait l'arbre gelé c'est notre sapin de Noël. C'est Kirlia. Ah tiens, j'ai vu Cochignon, j'aurais peut-être dû aller lui parler. Tous les tigures, tous les tigures au sein du Poképark sont tes amis. Mais essaye quand même de jouer avec ma soeur et mon frère. Bon allez, oh un Krabby. Non, on est déjà amis avec eux. Ouais c'est ça, parce qu'on s'est déjà fait un Krabby comme ami dans la zone balnéaire. Oui, qu'on sera pas obligé de faire avec tous les Pokémon. Un Obali! Oh, on glisse bien, c'est génial! Mais il paraît que c'est encore mieux sur le glisse-glace. La course, ça serait bien. On va te dire ça, un gros plan. Coucou! On va pouvoir commencer. Je tourne dans le vide. Non, j'aime pas trop cette chanson. J'aime rien. Alors, j'espère que je pourrai le rattraper, oui, mais je pense. Voilà, bon ça va. Par contre, il y a un Girali dans cette zone et donc le sprint va falloir l'améliorer. Ah, tiens, en fait, fil d'année, on n'est toujours pas retourné là-bas. Mais on retournera dans le prochain épisode, je pense. Tu es rapide et j'allais à toute vitesse. Tu n'aurais pas conduit d'amis? On jouera ensemble. Voilà, je deviens ami avec tous les Obali. Alors, j'y avais un autre. Et où? Where are you? Ah, tiens, Oursaring, on n'est pas amis. Je voulais aller sur chaude, dans la zone enfouie. Mais les Tayors. Ça, vous voulez à tout prévoir la neige. Je meurs de froid, mais heureusement, Onikani me laisse me réchauffer dans les l'igloo. On a toujours besoin d'un ami. Alors, un duel contre moi, ça vous dirait? On va pouvoir commencer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ancien épisode, ce mec nous avait agressé, hein, alors qu'on lui avait rien fait. Ah bah il est là, putain, foutu de ma gueule. Alors si je ne m'abuse... Ah non, ça marche, j'ai eu un doute. J'ai eu un pote et d'autres. Et c'est fini. Ah moi, mais les duels, c'est ce que je préfère. Vous croyez quoi, vous? Bien, bien, t'es vraiment doué. Viens me revoir quand tu veux, je te donnerai un coup de main. Si tu as du temps, va jouer aussi vite avec les Téliours, ça. Bah, c'est ce que je suis allé faire, mec. Bon, allez, viens là, toi. Donc, t'es guéri. On est tous venus jouer, et oui, tous ensemble. En fait, tu sais quoi? Quand tu deviens ami avec moi, par exemple, tous les Octéguéris du parc deviennent aussi tes amis, semblait. De la même manière, copine avec un Onibali, et tous les Onibali sont tes amis. Pareil avec les Téliours, ça. Il suffit de se lier d'amitié avec un Pokémon et tous les autres de la même espèce deviennent automatiquement tes amis. Puisqu'on y est, qu'on y arrive d'un duel. Ah, un duel! Je me souviens pas de tout. Ok, bon là j'en doutais pas. Quoi? Non, parce que là il m'attaque. Et pendant les duels, s'il me touche, je perds réellement de la vie. C'est pas une blague, hein. Vite. Je vous assure qu'en plein duel, il me restait pas beaucoup de vie. C'est pas une blague, hein. Oh, salaud. En plein duel, j'ai contre un Pokémon très fort. Je sais plus lequel, mais il me restait pas beaucoup de vie. Et il y a un autre Pokémon qui était pas du tout en rapport avec le combat. Il me fonce dessus juste parce que c'est une tête de mule et il me tue. C'est pas une blague. Quand il y a un Pokémon, si vous affrontez un Pokémon et qu'un autre Pokémon vient vous taper, vous perdez de la vie. C'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. C'était très drôle. Merci de venir jouer avec moi. En plus, on est devenus amis. Je pense que ça va être posé ici. Et même cette chaise, elle grince, quoi. Putain, mais j'ai tout qui grince. J'ai mes chaises, j'ai même mon lit qui grince à chaque fois que je bouge un petit doigt. Ça m'énerve. Alors, on va où, comme ça? Ah, si vous voulez, je peux vous montrer notre sapin. Oh, ouais, attends. J'ai envie de prendre ça en photo. Un peu, et j'ai trop envie de prendre ça en photo, je vous assure. Le petit type louf comme ça en neige, c'est bien sympa. Voilà. Alors n'oubliez pas, j'essaye aussi de trouver un moyen pour vous donner les photos du let's play si jamais vous les voulez. C'est pour ça que je prends des photos un peu des monuments si vous voulez.
Une petite baisse, pas trop mal. Oh, un gobou. T'as sauvé ma mouche. Ouf, merci. Tu veux faire un défi? Mais j'adore jouer à cache-cache. Ah non. Allez, cache-cache. Cache-cache, c'est ce que j'aime le moins, je pense. J'ai un petit... Ouais, ça va. Quel cache-cache de la mort. Attends, je regarde un truc, attention. Bon, toujours pareil. Attends, ça fait combien de temps tant que je suis de ce côté? 10 minutes. Ok. Parce qu'en fait, je suis à gauche et le temps... Non, je suis à droite et le temps est à gauche. Pff. Oh, tu m'as retrouvé. Bonjour, hein. Donne-nous, amis. Et je vous assure, j'ai un truc dans la gorge, c'est affreux. Donc devant, là, il y avait que des Omalis et des Krabis. Je suis déjà ami avec eux. Donc là, à l'arbre, il est là. Mais on le fera à la fin de l'épisode, je pense. Voilà. Voilà notre arbre de Noël. C'est là. On va le décorer, c'est pas une blague. Les étourmis, oui. Il y a des étourmis partout. C'est comme à Paris, il y a des pigeons partout. Non, merci. Le truc, il est déjà directement... sur nom quoi. Alors attendez, j'ai envie... Merde, pardon, excuse. Je vais tester un truc. Là, ça a l'air de Godric, une BD dessinée. Ah, voilà. J'allais dire, pourquoi il n'y a pas de Godric? Voilà, donc il y a une station de Godric à chaque région. Ah bah tiens, le village du Marley. Attends, montre. Ah voilà, c'est ça, j'ai confondu. En fait, j'ai confondu les oreilles de Givrali avec ces genres de petits rubans sur les côtés. Voilà, c'est pour ça. Parce que ces bouts de rubans aussi étaient bleus comme ses pattes. Voilà, donc en fait, j'ai confondu. Voilà. Bon, bah, ça arrive, hein. Mais tu as beaucoup d'amis. L'amitié est aussi belle et pure que les cristaux de neige. C'est beau ce que tu viens de dire. Elle peut fondre aussi, parfois, comme ces cristaux. Mais cela fait de bons souvenirs, malgré tout. Tiens, je suis en forme. Tu n'aurais pas dit... à faire un duel. Ah, si, je voudrais faire la cour, j'allais dire. Les évolutions de d'Evoli. Enfin, Givrali, Evoli... les évolutions d'Evoli, Evoli. C'est sûr. Non, ce que je veux dire... What the fuck. Je crois que j'ai pris de la drogue. Bon, ça va, elle est moins pire que Philali. Voilà, je pense qu'en fait, c'était juste l'effet de neige. Hein. C'est pas un peu de la triche de nous éblouir un peu? C'est pas affreux. Hein. Oh, tu m'as rattrapé. Et voilà bien longtemps que je n'avais pas joué avec quelqu'un. Comme ça, j'ai beaucoup aimé. De nos amis. Comme tu peux le constater, Père est une chose que j'adore, que j'adore. Dans la prochaine fois, je gagnerai. Tiens-le tout. Tiens-le pour toi. Quoi? J'ai pas compris. Bon. Merde. Il y a une évolution d'évolu dans chaque zone. Donc toi, Kilia, je crois qu'il faut réparer l'arbre pour être ami avec toi. Quatre oiseaux distribuent des décorations. Si tu en recevais une, viens regarder l'arbre gelé avec. Voilà, et si vous voulez, on prendra l'arbre gelé en photo juste après. Franchement, ça serait génial. Donc, et ton vol, on est déjà... Bah, tiens, cochignon. Quand les orques se sont disparus du Poképort, un Goléo s'est enfermé derrière ce portail. Mais maintenant que tu as pu rouvrir les portes de son cœur... Tout est redevenu normal. Quoi? Tu veux te battre? Alors allons-y. Je ne perdrai pas. J'ai mal à la fesse gauche. Ça vous dit c'est... Ah, ce que je me tords là en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça marche pas contre lui. Putain, j'ai réussi à toucher. Dommage que. que j'ai pas que de fer. De toute façon, j'étais en train de me dire. Attends, je vous ai dit qu'il y avait que de fer? Oui, je vous l'ai dit. Parce que de faire contre les types glaces dont l'électricité n'est pas efficace, c'est vraiment utile. Oh, tu es fort, c'est sûr. Pas étonnant que tu aies pu délivrer Mamochon. Devenons amis, en fait. Tu as essayé de défier Mamochon? Reviens aussi me voir, on va faire un combat. Tiens, faut que j'aille voir Colossal, en fait. Hop, alors... C'est par là, si je ne m'abuse. Là-bas, voilà. Mamochon, si je ne m'abuse, on l'a défié dans l'autre épisode. Comme ça, pour le kiff. Oh là, toi, tu veux me défier? Bien sûr, ça sera un duel. Bah, sans blague. Je m'attendais tellement pas. Allez, allez, ramène-toi par là. Je m'attendais tellement pas à ce que ça soit un duel. Voilà, c'est fait. Ah merde, je croyais que je pouvais passer. Ah bah oui, je peux passer, c'est juste que... Pardon, excuse. Ah, tu m'as tapé. Tu souffres. Pfff, des bottes. Mais le Pikachu dont parlait Ferrosin, dans la zone végétale, ce serait pas toi des fois? De nos amis, il en fera des duels. Bah Ferrosin, tu le connais?
Ah, t'as pas de nouveau Pokémon qui s'est ramé, bon bah. Ma mochon, si je ne m'abuse, j'en ai déjà ami avec lui. Ça y bouge pas. Mais on est déjà ami avec lui. J'essaye pas de devenir super ami parce qu'il faut faire tout, refaire deux fois, c'est un peu chiant. Je le referai pas en vidéo, je pense. Hein. Bon, de mon côté, sur ma partie à moi, bien évidemment que je l'ai fait. Parce que j'avais rien d'autre à foutre. Sinon, alors t'en aurais passé là-haut. Je pense qu'on a tout fait déjà. Non. Ah non, en bas. Attends. En bas du télésiège. Putain, je vais oublier ça. Y'a plus personne ici. Y'a que des étourmis, des sorties, j'y vais aller, y'a quelques oiseaux, mais ça se pourra après. Bah, faut aller en bas. J'ai failli oublier. Hein. Rendez-vous compte. Merci, la voiture qui passe. Voilà, des marestes. Des écrapins, je crois qu'on est déjà amis. Voilà. Non. Reparlons à Marest. Je veux pas te demander un truc. Je voudrais manger une grosse baie. Mais bon, si tu en as déjà donné à quelqu'un d'autre, je veux pas attendre la prochaine fois que tu reviennes dans les glacières. Putain, j'ai freiné pile au bon moment pour pas le dégommer. Bien. Donc la grosse baie là-bas, parce que vous doutez que la grosse baie est ici, hein, dans cette petite zone minuscule. Oh, des gorillis, mais on l'a déjà vu avec eux. Bah, ouais. Bon, vous êtes deux, mais bon, je pense que je la donne à n'importe qui. Salut, c'est une grosse baie pour moi. Merci, ça me fait très plaisir. Je veux devenir ton ami. Toi aussi, t'es mon friends maintenant. Ah, t'es même super ami. Putain, elle est petite la zone glaciaire, c'est déjà fini? Non, quand même pas. Attendez, deux secondes. Ça fait même pas 20 minutes. Je recule un peu parce que j'ai envie de me mettre comme ceci. Bon, je dis que j'ai envie de me mettre comme ceci, vous me voyez pas alors. Blablabla. On l'a déjà fait. Bon bah, on va décorer notre sapin de Noël, hein, donc voici le sapin de notre épisode, donc voilà pourquoi, hein, comme je l'ai dit, je voulais qu'on fasse notre propre sapin de Noël, donc parlons à Kanojo. Le nom est comme à l'Obali, alors voilà une décoration, pour que tu sois aussi joyeux que ces boules décoratives. Prends ça et va regarder l'arbre gelé avec. Ah ok, parce qu'on doit devenir ami avec les gens. En plus, il y a la musique, quoi. Oh! Oh! C'est-à-dire que plus on met de déco, plus de Pokémon se ramènent. Ah, ça va faire durer l'épisode. Carapuce? Where are you? Carapuce? Ah, mais il est là, quel idiot. On dit que c'est toi qui as réconcilié Léviator et Alligator dans la zone balnéaire. Tu n'es pas plus grand que moi, mais tu es vraiment quelqu'un. On fait un duel? Super, prépare-toi. C'est à chaque fois que je mets une déco. Okay. Oui. Si à chaque fois je mets une déco et que il y a un Pokémon qui se ramène, je vais te laminer. J'aime bien finir sur un coup, sur un tonnerre. T'es fort, je veux devenir ton ami. On peut se faire encore plein d'amis, reviens me voir. Et Tortank arrive, non, je rigole. J'aime plus si un Tortank. Je crois, mais je suis pas sûr. Tu es devenu ami qui était dur ça. Alors voilà la décoration. Pour apporter la lumière à tous. Prends ça, il va regarder l'arbre, j'allais avec. Là. En fait, faut devenir ami avec des gens. On décore notre propre sapin de Noël. Allez, be wish you a Merry Christmas. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On déclenche. Vous voyez peut-être pas très bien vu qu'elles sont blanches. Ah, mais c'est génial. Lipouti est venu voir l'arbre joli. Lipouti. Ça m'a toujours fait marrer ces prénoms. Lipouti, Lipoutou. Salut. Je suis venu voir l'arbre gelé et prendre plein de photos. Ce serait bien si Pangolin venait. Et si on faisait un duel? On commence. Franchement, le Let's Play Poképark, je vais vraiment commencer pile au bon moment. Je crois que je pouvais pas tomber mieux. Ah non, ça marche.
Parce que les poutiers, si je m'amuse, c'est un Pokémon de type glace, hein. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle charge, tu vois. Où es-tu? Par derrière! Je croyais qu'elle avait balancé une sorte d'attaque que je peux facilement esquiver en bougeant, vu que j'avais déjà préparé mon tonnerre. Tu es fort, il faut qu'on devienne amis. Lipoutou arrive. Ah non, même pas, je croyais. Je pensais qu'il y aurait un Lipoutou. Salut. Tu es devenu avec Carapuce, alors on a une décoration pour que les graines semées portent leurs fruits. Prends ça et va regarder l'arme que je l'ai avec. Je crois que l'épisode va faire 20 minutes, coach. J'avais oublié à quel point il n'y avait pas beaucoup de Pokémon ici. Oh, des petits nœuds. Ah bah, parfumé, génial. C'est très bien ça. Ça remplit un peu la zone. Alors, logiquement, ils sont tous dans cette zone. Ils sont tous dans ce périmètre. Parfumé. Ah, peut-être pas. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? La roche est devenue bien beau. Mais j'ai toujours l'impression qu'il pourrait en être encore plus. Je sais, il faudrait une étoile scintillante sur la cible. Comme par hasard. What? Y'a deux Lipoutiers! Y'a trois Lipoutiers! Non, je veux pas parler. Attends, y avait un regardé. Oui, oui, tais-toi, Carlia, ta gueule. C'est un gros arbre couvert de glace. Ah, oui. Bah, il est où, Farfuré? Bon, il doit pas l'air d'être là. Bon, on va chercher, hein, je vais pas rester là comme un abruti. Bon, alors. Farfuré. Où es-tu? Salut, Mamouchon. Farfouré. Où est Farfuré? Bah, ça m'énerve quand je cherche un Pokémon et que je tourne en rond pendant 10 heures. Bon, Farfuré, t'es où, la merde? Je me souviens de plus de Pokémon sur cette descente. Ah bah, tiens. Voilà. What? Mon dieu, ils sont deux. On a l'arme gelée et plein de trucs dans la zone glaciaire. C'est vraiment bien. En fait, tu es au courant? Brasigali, la zone ardente ne se porte pas la moindre mauvaise. Action, j'ai pas intérêt à y aller parce que je suis trop un bad boy. Bad boy, bad boy. Alors la course, ça te brancherait? Allez, je file devant. Je file devant, dégommant mon pote. Toi, tu vois, je l'attendais, ça, tu vois. Non, c'est de la triche, ton pote m'a gêné. Tu es un tricheur. Oh, l'arbre. Salut. Putain, j'ai fait le détour alors qu'il était juste là, le mec. C'est pas très malin de faire ça. Voilà. Parce que quand il coupe comme ça d'un coup, il suffit de tourner, puis c'est bon, t'es à 2 cm de leur. Le 2, quoi. T'assures, faut qu'on devienne pote. Et tu sais quoi? Je peux participer à la course en liane de boules de deux. Alors n'oublie pas, le moment est venu. Putain, elle spoil une attraction la meuf quoi. Ou le mec, je suis pour. Ta gueule. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Parce que j'ai pas l'impression. De toute façon, c'est le dernier épisode. Hein. Enfin, c'est la fin de l'épisode. Tu es venu avec les poutis. Alors voilà une décoration pour que se réalisent les rêves de ceux qui y croient. Prends ça et va regarder l'arme gelée avec. Et voilà, avec ceci, l'arbre va être parfait. Ah, je souhaite que ta vie soit remplie de bonnes choses. Continue à te faire plein d'amis. Ah bon, bah, c'est l'étoile. L'arbre gelé est si beau, c'est comme dans un rêve. Et c'est grâce à toi. Pour en devenir ami. D'oiseau, il a disparu comme pour le Père Noël. Non, je rigole, j'arrête. Ah, non, j'arrête mes conneries. Donc, d'oiseau, c'est un peu le Père Noël de Pokémon. Alors, tu t'amuses bien? Et maintenant, une petite surprise, c'est le moment de quiz. Ok, vas-y, badass, balance. Nous allons commencer. Première question: dans quel but suis-je venu dans la zone glaciaire? Ouvrir. Bonne réponse. Oh, des confettis! Question suivante. Qui peut faire la course dans la zone glaciaire? Primplouf, Omarty, Kobali. Bonne réponse. Troisième et dernière question est un peu spéciale. J'ai peur. Lis bien le nom des Pokémon. Oh non. Qui a l'art en lui?
qui a l'art en lui. Montmartre, putain. Art. Ah d'accord, putain, j'avais pas compris. Qui possède le petit art Montmartre, d'accord, putain, faut comprendre. Hein. Je croyais qu'il y a l'art en lui, j'allais dire l'art. C'est pour ça qu'il me dit bien le nom des Pokémon. T'as le même truc. Oh, Thierry dans le Poképark. Le duel. Qui a ce... Putain. Qui a sa coiffure toujours prête? Putain, mais c'est non à la con, là. C'est Cochignon, car son nom contient le mot chignon. Eh, hey, je vais te tuer. Mais qui a la coiffure, putain, mais... Je vais te buter, toi. Je te jure, je vais te démolir. Eh, hey, putain, mais le mec, c'est quoi, cette question? Mon sac est en réalité. Ma queue, ma barre, mes oreilles. Sa queue, putain. Non, le queue. Quel est le Pokémon le plus doué à l'attraction de Pangolion? Je ferme les yeux. Oh putain. Oh le hasard. J'ai eu un doute. C'est vrai, une dernière question est un peu spéciale. Ouais, bon là, je vais pas faire un con. Qui a... Ouais, je m'attendais à autre chose. Bonne réponse. Tu es doué, tu en es tout bon, devenons amis. Qu'a besoin des fesses. Tu vas chercher la mer, tu vas la voir. Tu vas mourir. Je peux vraiment le pousser? Non, je peux pas. Dommage. Bon, bah voilà notre arbre gelé et gelé. Ok, je me casse. Voilà. Voilà notre arbre de Noël, l'arbre de Noël de la chaîne. Dégage. Voilà. C'est notre sapin. Bon, bah voilà. Hein, que voulez-vous que je vous dise? Attendez, hop. Maintenant, j'essaie de prendre une photo. Bon, avec les Pokémon devant, ça gêne pas, hein, c'est pas mal. Alors attendez, j'essaye de bien centrer. Voilà, souriez. Vous êtes filmé. Attends. Ah merde, je croyais qu'il allait lancer des confettis à Dodo, tu vois. Ça aurait été bien kiffant. Attends, on voit pas l'étoile. Voilà. Non, là, vous êtes en trop gros plan, dégagez. Oust. Attends. Merde. Salut. Non, mais je vais pas te prendre en photo, dégage. Allez, plus vite. Merci. Photo. Voilà. Bon, bah, ça fait combien de temps? 28 minutes. Putain, il y a quelques temps, j'en ai l'impression de dire qu'il y aurait... que ça ferait moins de 20 minutes, mais là, ça fait 28, ça va bientôt faire une demi-heure. Bon. Allez, on va arrêter, parce que là, j'en peux plus avec ma voix, là, c'est... Je vous jure que j'ai un truc dans la gorge, c'est affreux. Bon, bah voilà, on s'est fait tous les amis, à peu près, je pense. Après, comme je vous l'ai dit, quand on finit le jeu, d'autres Pokémon se ramènent dans chaque zone, donc on n'est pas devenu amis avec tous les Pokémon, mais amis avec tous les Pokémon disponibles. Je le répéterai tout le temps. Voilà, donc on a fait notre joli sapin de Noël avec ses boules, ses cloches, ses nœuds, ses étoiles et ses lumières. J'avais oublié à quel point il était pas très beau. Non, je rigole, je suis méchant. Voilà, donc c'est l'arbre de Noël de la chaîne. Donc on a fait notre propre arbre de Noël. Bon voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et je vous souhaite encore un joyeux Noël. J'espère que vos cadeaux vous plaisent. Et je vous dis, pour une autre vidéo spéciale, je vous dis au nouvel an. Et pour le nouvel an, je sais pas si vous allez apprécier. Déjà que moi, je sais pas si je vais apprécier aussi, tu vois. Je vous donne peut-être un petit indice. Aïe. Enfin là, je vous ai donné un petit indice. Donc... Ouais, donc pour ceux qui voudraient regarder la vidéo du nouvel an, et bah allez-y. Hein. Non, attendez, on va s'arrêter. Attendez.
Regardez Pikachu et regardez, vous dis au revoir. C'est pas que Pikachu est pas important, de toute façon c'est lui qui sauve le Poképark, hein, c'est lui le meilleur. Parce que c'est nous qui le jouons, mais non. On va s'arrêter sur l'arbre. Merde, attends. J'ai failli oublier. Attends, je vais peut-être me rapprocher un peu. Je vais y arriver. Non! Putain, c'est super dur. C'est super sensible. Attendez, on va attendre que ça disparaisse. Voilà, c'est bon. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez déjà un j'aime par les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus. Non. Si, si, je vous l'ai dit. Et donc, bon, joyeux Noël, ça, encore joyeux Noël, je vous l'ai déjà dit. Et allez, chantons tous en cœur. Oui, oui, je sais pas pourquoi je change la version anglaise, hein, je me demande pas. Vous voyez, Carapuce qui vous fait une grimace. C'était pas mignon. Bon, allez, on va arrêter les conneries, ça doit faire une demi-heure. Et donc, je vous souhaiterai une bonne année dans la vidéo spéciale. J'espère que vous la regarderez, je sens que ça va être marrant. Allez, salut et encore un joyeux Noël. Et couvrez-vous, il commence à se les geler. Hein.